La nouvelle star fête ses 20 ans. Un anniversaire que M6 a décidé de célébrer comme il se doit. À cette occasion, une émission spéciale sera dévoilée, ce mercredi 15 février 2023, sur la 6ème chaîne. Ainsi, les fidèles du célèbre télécrochet pourront retrouver les candidats qui ont marqué le programme. Jonathan Cerrada aux abonnés absents. Grand gagnant de la première édition de La Nouvelle Star, Jonathan Cerrada sera malheureusement aux abonnés absents. En effet, le jeune papa a refusé l'invitation, comme il l'a expliqué sur les réseaux sociaux. « On m'a invité, on m'a gentiment proposé d'y participer, je les ai remerciés. La dame que j'ai eue au téléphone a été adorable. Elle a même beaucoup insisté, mais ça ne m'intéressait pas. Je ne vais pas expliquer pourquoi parce que j'entrerai dans des détails beaucoup trop longs. Je risque trop de me lâcher. » Jonathan Cerrada @docteur aurait-il une dent contre l'émission qu'il a révélée au grand public? Comme le rappellent nos confrères de Gala, Jonathan Cerrada refusait déjà en 2017 de participer à l'émission 30 ans de musique, diffusée sur M6. À l'époque, il confiait sur Twitter, M6 qui m'invite à chanter sur un prime. Ah si est-il bien, ils se souviennent enfin que j'ai gagné Nouvelle Star. Hashtag merci mais non merci. Visiblement, le chanteur semble reprocher à la chaîne de ne pas l'avoir soutenu après sa victoire à La Nouvelle Star. Mais le jeune papa a toutefois invité ses fans à regarder cette émission spéciale, qui sera présentée par Karine Le Marchand. Que devient Jonathan Cerrada? Jonathan Cerrada s'est éloigné du monde de la musique. Mais ses fans ont récemment pu le retrouver au théâtre. En effet, le jeune homme a été à l'affiche de la pièce Cougar qui peut. Une pièce dans laquelle il a notamment donné la réplique à Nicolas Waldorf ou encore Fabienne Thibault. Julien Doré gâté. Si Jonathan Cerrada sera malheureusement aux abonnés absents, les téléspectateurs pourront retrouver un autre visage bien connu de la première édition de La Nouvelle Star, à savoir Thierry Amiel, Steve Estatoff, Myriam Abel ou encore Julien Doré seront présents au rendez-vous. D'ailleurs, ce dernier a eu droit à une surprise de taille. Aux commandes de cette émission spéciale, Karine Le Marchand lui a apporté un cadeau pas comme les autres, un panier garni rempli de produits offerts par les agriculteurs de l'Amour et dans le Pré. Et pour cause, le chanteur est fan de l'émission. Ces tweets postés au cours de la célèbre émission de dating font le bonheur de la toile. Merci du fond du cœur. J'étais hyper touché, a indiqué le chanteur. Qui va regarder cette émission spéciale pour les 20 ans de La Nouvelle Star?